Shalom bien-aimés, je suis très heureux d'être encore devant cette caméra pour vous accompagner dans le monde de découverte. Ce qu'on va découvrir avec vous aujourd'hui, c'est un talent qui œuvre pour le salut des âmes, le réconfort du peuple des dieux, l'élévation du maître, les seigneurs qui méritent notre adoration. Ces talents, c'est Yadahims. Tout de suite, vous vous demandez, qui est-il? Que fait-il? Qu'est-ce qu'il prévoit? Quelle est sa projection du futur? Eh bien, je ne vous en dis pas plus parce que tout à l'heure, nous allons franchir cette porte pour avoir des réponses précises, en avoir le cœur net. On va avoir bien sûr toutes les précisions qu'il faut. Alors, je ne vous fais pas attendre. Venez avec moi, on va découvrir l'identité des Yada. Tout de suite. Chez vous, pour commencer, vous allez vous présenter pour toutes les personnes qui nous regardent. Ok, moi je m'appelle Josué Nguindou. Ouais. D'accord. Alors nous sommes ici parce que on a entendu parler de Yada. Et la première question déjà que nous voulions connaître, qui est Yada? Parlez-nous un peu de Yada. Ok, merci de la question. Yada est une équipe. Nous sommes des enfants des Malachi 4. Plusieurs talents venant de plusieurs églises réunis pour élever le nom de Jésus-Christ de par les chants inspirés. Donc nous sommes une équipe d'interprétation des chants inspirés, les chants de louange bien sûr. Ok, c'est quoi la vision? Comment est venue l'idée? Et puis c'est quoi même le but poursuivi? Ok, le but poursuivi, le frère Branham nous a appris qu'il n'est pas convenable, il n'est pas correct que... un croyant ou quelqu'un écoute l'évangile deux fois, alors qu'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais écouté même une seule fois. C'est comme ça que nous avons voulu réunir ces dons, réunir ces talents ensemble pour premièrement élever le nom de Jésus, le nom qui doit être élevé, le nom le plus glorieux, et aussi par nos voix, par nos talents, ramener les âmes perdues à Jésus-Christ. C'est en fait ça notre objectif ultime. Nous voulons mettre nos talents au service de notre Seigneur Jésus-Christ en ramenant les âmes perdues à lui. Alors tout de suite, quand j'ai franchi la porte, j'ai demandé qui était Yada. C'est tout le monde qui a répondu « Je suis Yada ». On aimerait un peu comprendre c'est quoi exactement la signification de ça. Est-ce que ça a un sens précis? Pourquoi tout le monde doit répondre qu'il est Yada? Pourtant, vous venez de vous présenter par votre nom, mais... tantôt ici, c'était tout le monde qui était là. J'avais même peur que vous puissiez dire que vous étiez Yada quand je vous ai demandé de vous présenter devant la caméra. Ouais. Alors, expliquez-nous, pourquoi tout le monde dit qu'il est Yada? C'est quoi l'idée derrière... je dois appeler ça cette communisme et tout. Ok. Déjà, Yada, c'est un mot hébreu qui veut dire le fait de lever les mains pour adorer. Alors, vous allez voir dans la Bible, lorsque Moïse, les enfants d'Israël étaient en guerre... Frère Branham nous enseigne que pour que les enfants d'Israël aient la victoire, il y a des gens qui venaient pour garder les mains de Moïse levées. Alors, les gens qui venaient aider Moïse à garder les mains levées, ils formaient toute une équipe. C'était une seule personne. Et la victoire, c'était une victoire unique. Ce n'était pas une victoire pour ceux-là qui étaient en train de combattre dans la vallée. Ce n'était pas une victoire pour ceux-là qui étaient à genoux. Ce n'était pas une victoire pour Moïse qui avait les mains levées. Mais c'était une victoire pour Israël. C'est comme ça que nous on dit « Je suis Yada ». Parce que la victoire que nous voulons avoir par le chant, par l'adoration, c'est une victoire pour le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que chacun peut avoir une vision. Moi, je viens pour montrer les talents. Moi, je viens pour faire de la guitare. Moi, je viens. Mais l'objectif est unique. C'est pour ramener les âmes à Jésus-Christ. Que Jésus seul puisse être vu. C'est pour ça que nous disons, je suis Yada. Yada, ouais. C'est très intéressant. Alors, une autre question, c'est si on allait un peu dans l'histoire pour savoir, ça fait combien de temps que Yada existe? Et puis, quelles sont les réalisations jusque-là? Ok, Yada est là depuis 2019. Bien sûr qu'on a commencé bien avant avec les idées, mais c'est en 2019, je vais dire, en 2019 qu'on a réuni l'équipe, les talents ensemble, pour commencer quelque chose de très sérieux. Donc, disons, c'est depuis 2019 que Yada existe. Ok. Oui. Et les réalisations? Oui, nous avons, en 2010, déjà en 2020, le 26 janvier 2020, on a eu un grand concert à l'église Elroy. Et puis, après, il y a eu d'autres productions dans des concerts de nos frères et sœurs. Il y a eu aussi une grande production qui était presque à huis clos, qui était réservée au public sur les réseaux sociaux, au jardin botanique. Donc, c'est un peu ça. Des concerts. Alors, on constate que c'est tout un groupe. Il y a plusieurs personnes qui font partie de ce groupe. Et une question, on se demande comment toutes ces personnes ont fait pour intégrer le groupe. Quelles sont les exigences pour faire partie de Yada? Déjà, comment les gens ont fait pour intégrer ce groupe? Avant, chacun travaillait dans son petit coin. Alors, on sait que l'union fait la force. Lorsqu'on se met ensemble, avec un seul objectif, on peut faire mieux. C'est comme ça que, à la base, les différentes équipes qui travaillent chacun dans son petit coin, on s'est réunis, on s'est mis ensemble. Jusqu'à l'instant, on a vraiment pas fait des recrutements hormis l'équipe qui était déjà en place. Alors, si quelqu'un veut être recruté ou participer, venir à l'équipe pour donner une main forte par rapport à ce que nous faisons comme travail, il doit être bon chanteur. Il doit être bon chanteur. Et puis, ça doit être quelqu'un qui craint les seigneurs. Ça doit être quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel, parce que le travail que nous faisons, c'est l'œuvre du Seigneur et on doit être correct dans notre marche. Et qu'est-ce que vous faites d'un frère ou une sœur qui a le talent, peut-être qu'il n'a pas encore découvert cela et qui se présente vers vous parce qu'il aime ce que vous faites ou elle aime ce que vous faites et voudrait intégrer le groupe? Une telle personne, comment vous la gérez? Oui, bon, on prend le temps d'abord d'étudier la question. Et puis, vous voyez, nous sommes une grande équipe. On voit, est-ce qu'il y a nécessité que l'on puisse rajouter des personnes? Alors, si c'est un talent et qu'on est convaincu que la personne peut être vraiment un bénéfice pour l'équipe, pour le corps du Christ, on en parle en comité et puis... Voilà. Et vous avez parlé du comité tout à l'heure. D'ailleurs, je voulais poser cette question. Comment le groupe fonctionne? Quelle est la structure? Est-ce que vous avez des horaires? Oui. Comment vous travaillez? Alors, pour l'équipe, déjà, nous avons un manager, c'est le frère Eli. Nous avons un manager, c'est lui qui chapeaute toutes nos activités. Et puis, nous avons un président, c'est le frère Daniel. Et puis, nous avons un directeur artistique, c'est le frère Gracien. Nous avons un chargé de communication, le frère Nathan. Nous avons chargé de prière, parce que vous savez, quand on fait la musique chrétienne, on déclare une guerre à l'ennemi. Il faudra s'armer, il faut avoir des armes. Il faut être en prière tout le jour parce que ce n'est pas seulement la voix qui va ramener quelqu'un au Seigneur, mais c'est Dieu seul qui peut le faire. Voilà. Donc, nous avons un chargé de prière qui est le frère Eliezer. Et puis, nous avons un chargé des voix, c'est moi, je suis le coach vocal de l'équipe. Et puis, nous avons un chargé des disciplines qui est le frère Zoé. Ok, on constate tout de suite qu'il y a du sérieux dans ce que vous faites. Et si on faisait une projection dans le futur, comment est-ce que vous voyez ce groupe dans 2 ans? Dans 2 ans, nous voulons être grands. Nous voulons que le monde entier écoute ces talents, que le monde entier écoute ces jeunes gens qui se donnent, qui se privent de certaines choses pour élever le nom de Jésus, pour ramener les âmes à Christ. Nous voulons aller plus loin, faire des descentes sur terrain, apporter l'évangile par le chant, accompagné d'un prédicateur. Nous voulons aller plus loin, que l'œuvre grandisse, afin que les âmes reviennent à Jésus.
Ok. Alors, parlez-nous un peu de votre calendrier. Qu'est-ce que vous prévoyez dans un futur proche? Quels sont les projets? Ok, déjà pour ce 22 mai 2022, c'est dans quelques jours, nous avons une soirée d'adoration à l'acoustique. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous interprétons les chants de louange, le chant du livre, comme on les appelle. Alors, nous allons le faire à notre manière, à l'acoustique. Donc, nous voulons que les peuples de Dieu viennent. Nous allons adorer ensemble. Nous allons nous laisser connecter à l'esprit du Christ. Et je pense que nous allons vraiment passer des très bons moments dans la présence du Seigneur. Parce que nous croyons que Dieu peut faire de grandes choses par la musique. Dieu a chassé des démons par la musique. Dieu a guéri des malades par la musique. Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël par la musique. Et nous croyons fermement que quand nous allons faire cet événement, les gens seront certainement bénis. Et ceux-là qui n'ont pas encore écouté le message du temps de la fin, parce que nous, quand on dit ramener les âmes perdues au Seigneur, c'est que les gens arrivent à croire, à accepter le message du temps de la fin. Et nous pensons, nous croyons de tout nos cœurs qu'au travers de cet événement, les gens seront bénis. Les âmes seront ramenées au Seigneur. Ok, le 22 mai donc. Le 22 mai. Ça sera à la salle Horizon. C'est sur du 30 juin prolongé. Ça sera déjà à partir de 15h. Donc nous serons là à partir de 15h. L'entrée est libre, c'est gratos, on ne paye pas. On vient tel qu'on est au Seigneur. Ouais. Alors, je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre pour essayer de répondre à nos questions. Mais bien avant cela, nous sommes entrés ici, c'était tout bouillant, tout le monde était en train de chanter. J'aimerais peut-être qu'on puisse encore faire vivre ça à nos téléspectateurs. Un petit acapé là d'un chant, histoire de donner un peu d'aperçu de ce que vous faites. Je crois que ça fera du bien. Ok, je m'appelle Nathanaël Outombo-Mbunda. Je suis pianiste dans le groupe. Je suis aussi chargé des communications. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer les groupes? Comment s'est arrivée la circonstance de votre intégration dans le groupe? Bon, déjà, ce qui m'a motivé, c'est la musique. Parce que déjà, depuis très longtemps, j'aime jouer de la musique dans un groupe et tout. Alors, lorsque j'avais eu l'occasion de venir, où j'ai entendu parler de l'offre, je me suis directement intéressé à ça. Et j'ai vu l'initiateur, c'est comme ça qu'il m'a intégré. On t'a intégré facilement? Bon. Au début, on n'a pas un peu douté de toi, de ce que tu fais? Bon, déjà que l'initiateur, c'est quelqu'un avec qui on travaille déjà depuis très longtemps, dans la musique. Je vois que ça joue aussi un rôle, parce qu'il a suggéré, ou il a pensé que je pouvais être bon pour ça. Alors, depuis que vous êtes dans le groupe, qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? Bon, déjà beaucoup de choses. Vous savez, l'expérience qu'on vit avec la communauté est toujours différente de lorsque l'on vit ici en solitude. Déjà, le fait que je vienne ici toutes les fois, ça me garde un peu comme en chaleur, selon la parole, bien sûr. Parce qu'on se retrouve généralement. On parle de musique, on parle de Dieu et tout ça. Or, en dehors de ça, nous pouvons être à l'école et dans des circonstances et tout. On peut partager sur beaucoup de choses. Mais lorsqu'on est ici, ça nous garde un peu dans cette chaleur-là, de la spiritualité et tout. Déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par rapport aussi à l'expérience artistique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma façon de voir, ma façon de concevoir la musique, ça aussi, ça a beaucoup changé.
Et je me dis que maintenant, il faut le faire pour à l'intérêt du royaume. La prochaine question sera fermée et vous allez répondre par oui ou non, très rapidement. Il s'est fait que Nathan puisse avoir des grandes responsabilités dans une grande entreprise, dans un futur proche. Okay. Vous arrêtez à Dawi ou non? Alors, depuis que vous êtes dans Yada, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Beaucoup, hein. Si je peux dire déjà, cette communion entre les frères, passer des moments à répéter et dans la présence de Dieu, ou travailler vraiment... cet environnement chrétien déjà, et sur le plan artistique aussi, parce qu'on a un coach vocal et un directeur artistique. Alors tous les conseils, tous les travaux, ça apporte beaucoup, un plus à notre connaissance, voilà. Alors c'est 22 déjà, vous avez un événement, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui vous regardent quant à ça? Ouais, le 22 mai à 15h juste à la salle Horizon du 30 juin prolongé. Je vous invite tous à venir très nombreux. L'entrée est gratuite, libre, ouverte à tout le monde. Donc venez massivement. Venez adorant le Seigneur ensemble, passant des moments glorieux dans sa présence. Ça sera des moments très glorieux. Ma petite question, qui êtes-vous? Je suis Yada. Merci.